Bonjour à tous et bienvenue sur Séphirot et compagnie. On se retrouve en ce début d'été, on va voir si ça vient vraiment, mais voilà, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler des prochaines formations. La première qui est un lancement à laquelle je tiens beaucoup, beaucoup, c'est sûrement pas la dernière, c'est un week-end qui a lieu via Zoom, donc en distanciel, et qui a pour sujet les sens subtils et l'intuition. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup développé notre intellect. Il a besoin aussi d'être nourri, mais en fait, on en a perdu les évidences. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se recaler sur des certitudes, éradiquer les doutes, reprendre confiance en elles, aller plus vite dans les décisions, ne pas revenir sur les décisions qui ont été prises, surtout également développer un autre rapport au corps, un autre rapport à la vie. Donc je le dis, l'essence, c'est ce qui nous met en lien avec la vie. C'est tout notre rapport à la vie qui se joue ici. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça parce que le mot sens, il a deux significations. D'abord, nos cinq sens, et puis d'autre part, le sens que l'on donne à sa vie, la direction. Comme si finalement, quand on perdait ce lien avec nos sens, eh bien, on ne retrouvait pas le sens de notre vie. Donc voilà, un très très beau programme qui est vraiment sur la voie du sentir, la voie du ressentir, établir tout ça, se conforter énormément, gagner beaucoup, je dirais, en souplesse, en élasticité, en plaisir de vivre, que nos désirs aussi puissent se transformer en plaisir, c'est extrêmement important. Et pourquoi les sens subtils? Eh bien parce que nos cinq sens physiques, ils se dupliquent et ils existent déjà dans le monde du subtil. Vous allez vous apercevoir à partir de tous les exercices que je vais mettre en œuvre que c'est très facile, que nos sens subtils, ils sont là. Ça n'est pas réservé à une élite. La seule chose, c'est qu'on n'a pas appris à s'en servir et plutôt on a appris à les étouffer, à les laisser complètement de côté, que ça ne demande qu'à renaître et que ça nous offre après une relation à la vie, un confort de vie, ça nous simplifie beaucoup, beaucoup les choses. Donc voilà, un week-end bien plein, donc 10-11 juin. Et puis juste après, redémarrage d'une sixième session sur les lettres hébraïques niveau 1. Alors là, formation que voilà, j'apprécie, qui a fait ses preuves, on va dire, puisque j'ai beaucoup, beaucoup de jolis témoignages, souvent des bouleversements de vie qui s'opèrent derrière, des prises de conscience qui sont relativement intenses. Le tout vraiment dans à la fois la profondeur et la décontraction, quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, on fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux pour arriver justement à vivre nos démarches intérieures de façon beaucoup plus vivante, légère. Je dirais de ne pas jamais perdre de vue que le but de toute cette démarche, c'est d'exister, c'est de pouvoir vraiment se libérer de tout un tas de choses. Donc on est très loin du dogme, on est très loin de la religion aussi, parce que c'est pas trop mon truc. Et donc en revanche, une connaissance qui est une connaissance très profonde, qui est le résultat de plus de 13 années d'études, donc de toutes ces lettres hébraïques qui symbolisent et qui représentent finalement tout ce chemin initiatique et qui nous donne des clés profondes, puissantes, belles, je dirais encourageantes, tendres, intelligentes, voilà, pour voir les choses sous un autre angle et peut-être oser aller beaucoup plus découvrir l'inconnu qui est en nous et aller vers ces aspirations profondes sur lesquelles parfois on ne sait pas mettre de mots, mais pourtant elles sont bien là. Voilà, le tout dans un esprit de partage aussi, les groupes qui ont partagé ces choses-là ont toujours passé des bons, bons moments et il y a vraiment eu un avant, un après cette formation. Voilà, ça a ouvert souvent le champ sur des choses assez insoupçonnées après. Et puis voilà, dernière chose pour ceux qui verront la vidéo à temps et qui éventuellement voudraient nous rejoindre. Donc ce soir, groupe d'études qui se lance, un groupe d'études où là, la parole est extrêmement libre. Le premier sujet, c'est donc toutes les difficultés qu'on rencontre lors d'une démarche intérieure et pour remettre de la souplesse aussi, de l'ouverture là-dedans, re-respirer. Peut-être moins le côté bon élève
que le côté tout simplement élève de la vie, voilà, avec tous ces, comment dire, avec l'acceptation de tous les aléas, et puis le tout dans la joie, dans la bonne humeur, avec de l'humour, avec tout un tas de choses. Je pense qu'on a besoin de rire, on a besoin de, comment dire, de regarder les choses avec beaucoup de recul et de les partager, ça aide beaucoup. Donc ceux qui nous rejoindront ce soir, je me réjouis. Il y a déjà un peu de monde, en présentiel comme en distanciel d'ailleurs, puisque voilà, je ne veux pas limiter les choses, mais je veux commencer aussi à créer ce groupe et que les gens puissent se rencontrer pour de vrai. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tout ça et réserver sur la boutique de sephiroth-et-compagnie.com. Vous avez tout de détaillé, voilà, et sinon envoyez-moi un mail si vous voulez d'autres renseignements. On se retrouve bien vite sur la chaîne, ne serait-ce que demain pour le live, et je vous souhaite à tous une très très belle soirée et un bon début d'été qui arrive très bientôt. Au revoir à tous.